prévisible. L'avantage qu'il y a eu, c'est quand nous avons récupéré le moulin en 2008, tout était dégradé, mais tout y était. Donc ce qui a fait que l'on avait quand même des modèles, des exemples. Donc tout a été refait, les huches, les trémies, les babillards, tout a été refait avec les côtes, en respectant les côtes d'origine et le mécanisme d'origine. Donc tout a été refait des deux côtés, sur les deux meules. Donc celle-là n'est pas en fonctionnement, on peut la mettre en fonctionnement sans problème. Mais c'est authentique à ce qu'il y avait à l'époque.